Ok, est-ce que vous êtes prêts à finir ce jeu, les gens? Let's go! Oh non, je suis trop déçu. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi tu m'aimes pas? En plus, il me fait claquer des lits, là. Oh non, je suis trop déçu. Pourquoi il m'aime pas? J'ai même pas une note, j'ai pas un truc pour me dire ce qu'il faut faire. Ah si, voilà. Ah putain, il m'a tellement mis en PLS, le truc. J'étais en mode, allez, on finit le jeu, let's go. Et là, ta gueule. Ta gueule. Bon, c'est pas ça les mécanismes, c'est quoi les... Ah non, les mécanismes, je me souviens. C'est au fond, à droite. On prend la prochaine à droite. Bon, l'épisode sera... Enfin, la fin du jeu sera peut-être coupée en deux parties, hein, voire même en plus. Je verrai, en fait, ça dépend de si la fin du jeu est vraiment proche ou pas. 18th of August, 1839. I cannot believe what I have been. What is a life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save. Bon. C'est bien là, hein, je crois. Les... Ah, c'est là les mécanismes. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Aïe! Ouf! Ouf, 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 non, ça fait mal. Hein. Enfin, je sais pas si c'est possible. Hein. Je vais mettre un truc pour bloquer. Mais... Je peux pas mettre un truc pour bloquer. Je peux pas mettre la tête du grand con. Hein. Enfin, pour bloquer un engrenage, ça peut mal. Est-ce que je dois pas le faire à la main? Comme ça, je sais pas, mais... Ok, donc c'est bien ça, faut bien bloquer les roues. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour bloquer les roues? Un truc? Bon, il nous faut. Là, je vois rien, peut-être plus haut, on a un truc. Une bonne grosse pierre là. Une bonne grosse caisse. Ça, même peut-être. Vas-y, on tente, hop là. Ah putain, il casse les couilles là. Je vais devoir aller chercher un truc à l'autre bout du château. Voilà. Merde alors. Ah voilà, c'est ça, genre il me faudrait une grosse caisse en fer. Je peux pas. Peut-être la caisse à moitié en fer. Ah, je peux pas, non. Il marche là. Allez, bouge-toi là. Les abonnés attendent, alors tu cours là. Voilà, nice. So nice. So nice, les amis. So nice. Et voilà, ah, putain, je le sentais, j'allais le dire. J'allais dire là, on va tomber sur un vieux FDP. Là, je le sentais. Après, jusqu'où il va venir ce truc? Il va venir ici. De toute façon, s'il vient, je cours. Hein. Je cours, je passe le portail. Je prends la tête du poteau là, clac, hop là. Il est là, hein, je l'entends. Ah putain, est-ce que je tente ou pas? Je peux pas, genre sur le pont, il va me bloquer le mec. Ah le gamin. Putain, en plus c'est le mec qui one shot. Ah c'est pas l'ombre, c'est le mec qui one shot. Oh mon dieu. Oh le gamin. On a droite, mec. Ah faut pas que je le regarde. Faut pas que je le regarde, sinon ma tête elle va... Oh non, clair comme de l'eau de roche, nice. Vas-y, le gamin il tourne à gauche. Vas-y, va te faire foutre. Je fais quoi?
Ça sert à rien que je tente de passer, j'arrive à one shot, je peux rire. Ça sert à rien. J'aurais dû y aller là. Avec quoi on va jouer safe, on va attendre qu'ils reviennent. Oh putain, il a carrément disparu en fait. Il a disparu là-bas. Et là, il me tombe dessus. Il me met un gros screamer. Rien du tout. Ah là, là, je suis trop excité. Je suis trop excité. Nous y voilà. Le sanctuaire intérieur. Let's go. Aïe 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 aïe. Surtout ne pas regarder derrière soi. Ah merde, y'a le truc. Oh vite, 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 vite. Oh ouais, donc là je dois courir. What the fuck? Mais quoi, je dois faire quoi? Quoi ça? Non, ça sert à rien. Bien, je dois faire. Mais sa tête là? Le fuck, c'est quoi ça? Wow, mon mec il est pas bien. Ah, je suis en PLS, lâche comme ça là. Ah, je suis en PLS. Allez, allez, on se relève. Allez. Ouais, j'ai arrêté de me piquer en fait. Genre j'ai un peu forcé je crois. Mon mec il est pas bien. Ok d'accord, on a ouvert une autre salle. Ok, je vais me piquer des deux côtés. 20th of August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated, Alexander. I will kill you for what you have done. Ok, donc là il comprend qu'il s'est fait manipuler. Hop là, on se pique. Ok. Quitte les deux côtés, ça a dû ouvrir la porte. Ça n'a pas ouvert la porte, génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merde, par contre. Ah, je prends vraiment des dégâts par contre. Ah voilà. Fallait que j'aille sur le site. Vas-y, dis-moi tu t'es ouvert ça. Voilà. Trouver un moyen d'ouvrir. Ouais bon ça. C'est pas du tout. Hein. Merde. Je prends tellement cher que je dois me piquer des ouf comme avant. On met pas de dégâts ça. Je suis de nouveau en PLS. Merde, comment on ouvre cette porte?
c'est appuyé dessus. Là. Oh là 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 là. Ah, mon mec, il est pas bien là. Il va rester appuyé dessus, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est bon. Nice. Allez, allez, relève-toi. Allez. Allez, mine-toi le cul. Aïe, 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 aïe. Je douille, mais je douille. Depuis le début de l'épisode, le nombre de heals que j'ai claqué, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Putain, je suis pas gaffe en plus. Vas-y, viens là, je te prends 1-1. Je te prends 1-1. Chambre de l'orbe. Dernier chapitre du jeu. On est chaud, les amis. Je vais arriver, je vais prendre un 1-1. Je suis chaud. Je suis chaud. Il est où? Ah, il est là. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comfort. Ouais, maintenant il va finir de se faire genre ouais. C'est pas moi le méchant, j'ai rien fait. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Agrippa, je vois rien du tout. Agrippa, je vois rien du tout en lui, je sais pas qui c'est. C'est juste qu'il a pas de mâchoire. Et là, tu sais, je fais le mec pas respectueux, genre pendant qu'il fait le discours de fin et tout, je me barre, je retourne dans l'autre salle, tu sais. C'est tellement irrespectueux. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ah, il est sur le point de tomber. Hop là. Allez! Allez, pète-toi, je sais pas. Vas-y, y'a bien une pierre, y'a bien un truc. Je le fais tomber comment cette merde? Là, je prends des dégâts. Aïe, 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 aïe. Merde, je fais comment? Agrippa, aide-moi. Je peux pas le casser avec ta tête. Non, même pas. Mais faire quoi? Je suis con quoi, genre il y a rien dans la pièce. Il n'y a rien à utiliser. Le pion sur le point de tomber, merci mais... Qu'un momento... J'arrive pas à les péter ces pylônes là. Ah peut-être si je bourrine. Ah ouais. Do you see it? A whole other world. Oh, aïe. Enfin, y'a tout qui fait mal, c'est incroyable. Enfin, y'a une main pour te faire cliquer mais tu prends des dégâts toi aussi. Voilà, c'est le bordel. Et Tara, je la prends en 1v1 à l'ombre. Je vais prendre un V1. Oh le bordel. Aïe aïe aïe. En fait l'ombre hein. C'est aussi simple. Ah, en fait là je meurs dans tous les gars. Là je meurs je crois. Ah voilà c'est ça la fin du jeu. Bah bravo, bah bravo. La fin du jeu je fais tout ça pour mourir. Ça c'est typique des jeux d'horreur ça. Tu fais tout mais tu meurs à la fin. Your sacrifice won't be forgotten.
Je t'emmerde. Je t'emmerde. Forever. Et voilà, les amis. Amnesia The Dark Descent est terminé. Moi, j'applaudis. J'applaudis toujours à la fin d'un jeu. Je vais peut-être même verser une petite larme. Non, je déconne, en tout cas, c'était bien sympa de faire ce let's play avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Bon, je l'ai pas fait depuis le début le jeu, mais je trouvais vraiment le début qui était pas intéressant. Mon seul regret, c'est que vous ayez pas vu la petite bête dans l'eau dont je vous ai parlé tout le long. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu ce let's play. Moi, ça m'a vraiment plu parce que j'adore les jeux d'horreur. Et justement, je voulais vous parler du prochain let's play parce que je compte pas m'arrêter là, j'ai vraiment kiffé. Ce sera encore une fois un jeu d'horreur, bien sûr, parce que je vais faire toute une série de let's play sur les jeux d'horreur. Et donc, le prochain, vous connaissez tous, c'est sûr, c'est Alien Isolation. Du coup, on va partir sur Alien Isolation. Et il y a un petit bonus, c'est un jeu que j'ai précommandé qui devrait sortir bientôt, qui s'appelle Perception, qui a l'air vraiment génial. C'est par les créateurs de Dead Space, Bioshock, etc. C'est un jeu où en fait on est aveugle et on se repère par rapport au son. Alors, un peu comme Daredevil, je sais pas si vous, je pense que vous connaissez. Et allez voir les trailers sur internet, il a l'air vraiment énorme. Et du coup je l'ai précommandé, j'aimerais vous faire une vidéo le jour de sa sortie. Mais le problème c'est que il ne donne pas la date de sortie du jeu, du coup il peut sortir demain comme il peut sortir dans un an. Et je sais pas en fait, donc j'espère être informé à temps. Et pouvoir commencer le let's play le jour de sa sortie, même s'il doit couper en plein milieu du let's play de Alien Isolation. Bon, ouais. Tant pis, hein, ce sera comme ça. Du coup, fin du générique, juste quand j'ai fini de parler, c'est magnifique. J'ai bien kiffé Amnesia, j'espère que vous aussi. C'était Tipsy Rod, on se retrouve pour le prochain let's play sur Alien Isolation. Donnez-moi votre avis, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a plu. Faites tourner comme d'habitude. C'était Tipsy Rod, gardez la pêche. Oh, j'ai du mal à parler. Allez! Ciao tout le monde!